pas besoin de connaître la musique pour faire de la musicothérapie. Alors, le métier de musicothérapeute, donc on va utiliser le média musical, le sonore, à des fins thérapeutiques. Donc moi, je vais intervenir dans la relation pour les stimuler, les solliciter dans cette utilisation-là. Ensuite, au niveau des objectifs avec les enfants, ça va dépendre des profils. Dans le polyhandicap, on a différents profils. On a des profils d'enfants qui vont être avec peu de possibilités motrices. Donc là, on va être beaucoup plus dans une dynamique de relaxation, de détente musicale. Ensuite, avec des enfants qui ont des troubles du comportement, on va beaucoup plus axer sur tout ce qui est attention, expression. Donc avec beaucoup de rituels, beaucoup de rythmes aussi pour soutenir. Voilà. Et ensuite, on va avoir aussi des enfants adolescents qui sont, je dirais, entre deux. Donc, qui ont aussi qui ont des possibilités, mais qui vont peut-être être algiques ou avoir des difficultés aussi dans l'appréhension, etc. Donc, on va aussi proposer quelque chose de dynamique pour eux, mais qui va être très adapté. Je fais beaucoup appel à l'ergothérapeute pour adapter les instruments de musique. J'avais passé une musique qu'il aimait beaucoup, Beethoven. En fait, il a eu l'émotion qui est venue, donc des larmes qui sont venues. Quand ça se passe de cette manière-là, c'est assez complexe de savoir comment on va faire, quel dosage on met, c'est-à-dire que est-ce que je laisse l'émotion s'exprimer? Est-ce que j'arrête la musique? Du coup, j'ai laissé les larmes sortir. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que c'était le moment d'arrêter. Donc, j'ai diminué la musique progressivement. Et j'ai proposé à ce jeune homme de s'exprimer sur l'instrument de musique. Donc, tout ce qu'il avait ressenti en écoutant cette musique-là. Et là, en fait, il a joué sur le tambourin comme il n'avait pas joué auparavant, où il avait vraiment, on voyait vraiment qu'il s'exprimait, qu'il sortait tout ce qu'il avait envie de dire, d'exprimer.